Otto! Yeah. Hello! Otto! Mon gars! Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. C'est le départ de la marche du collectif des organisations en lutte. Aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, on est actuellement, on passe devant le CAC, le Centre des Arts et de la Culture, qui est en travaux depuis une dizaine d'années avec les artistes en résistance. Donc en voyant Gofos Pouillot. Ah, nous avons un camarade, non camarade en nous. Ah bah attends, nous avons une caméra là, si nous. Bien bonjour les camarades. Comment ça va? Qui j'en nous? Nous bien, nous en pleine forme. Nous avons dit tout le monde Guadeloupe bonjour. Tous les résistants, nous avons félicité yo, nous laver yo, parce que nous avons croit que c'est un combat qui juste. Yo ka goumé pour nous, mais yo ka goumé pour yo, mais surtout pour nous. Alors vous aussi, vous niez l'arrêt à la lite. Vous niez l'arrêt à la lite au niveau de Fondalka. Dernièrement, vous avez fait un rassemblement par rapport à Madame Femme qui a goumé en lite. Non. Alors, alors nous c'est CIPN. Oui, dernière fois nous faisons une rencontre au niveau à Fondalka, mais c'était par rapport à Kwanza. Et c'est vrai que c'est en série madame qui a fait part, qui a donné des marches spirituelles, hein, qui était fait et contre là ça. Donc c'est vrai qu'elles sont contre, qui est important pour nous parce que nous sommes conscients que le pays en nous a donné des difficultés et que nous, en tant que madame, il faut nous jouer un rôle en nous, il faut nous prendre place en nous à nos combats là, à côté à l'émissier. Et donc c'est pour ça que nous avons fait rencontrer pour nous te beaucanter à cette situation pays en nous et qui j'en nous après ça. Alors, justement parce que Femme Guadeloupe, nous a dans la lutte et nous avons dans toute lutte ces femmes-là toujours en première ligne des fois, il y a douvant, et c'est ça, ils ont été expliqué. Jean que Femme a dans la lutte ni. Des actions, mais importantes, ça y est, même dans le terrain de la lutte. Eh bien oui, mais on peut croire que de tout temps, depuis le plus loin, nous avons monté dans l'histoire pays en nous, madame, c'est toujours dit bout, nous payons nommer Maltrose, nous payons. D'ailleurs, wow, même à ces photos-là, nous avons vrai Marise Condé à ces bâtiments. Voilà, les madames toujours prennent place à eux dans le combat-là. Peut-être qu'elles ont été brins discrets. À un moment donné, mais en cas quoi qu'elle a, faut nous vraiment affirmer que nous voulons jouer un rôle, parce que nous avons un rôle à jouer, à côté à l'émissier, il faut nous jouer un rôle là, ça, faut nous prendre place en nous, parce que le pays en nous en danger, et il faut nous voir qui j'en nous garder dans le pays en nous. Alors, qu'à qu'à profiter, Michael, permettez-moi, puisque oui, alors, nous avons dans la reine de la madame, mais aussi, ancien président de la CIPN, Comité international des peuples noirs. Et nous travaillons aussi dans l'arrêt de la réparation et aussi dans l'arrêt mémoriel. Et donc nous avons invité tout Guadeloupéen du 20 au 21 mai. Nous avons fait une belle marche mémorielle qui a sorti si Bastet, devant Fort Delgrès, puisque le thème marche là, c'est en nous marcher à Citras à Ignace et combattant en 1802. Voilà. Donc nous avons sorti le samedi 20. Nous, à 6h du soir, nous sommes sortis Fort Delgrès pour nous arriver le lendemain, côté midi et demi, devant statue à Ignace. Donc, nous avons invité tout Guadeloupéens à entraîner yo, et puis nous avons invité à venir vers nous en sachant qu'elle a tout un dispositif pour que, eh bien, yo peut trouver yo à l'aise, qu'elle a massé, fumier, ravitaillement, tout le temps. Voilà, bonne sécurité pour nous et marcher ensemble à dans l'arrêt, la trace à combattants à 1802 qu'on dit, et surtout rentrer à dans en qui Jean il était dit bout ça pour nous renforcer nous, parce que là on voit marcher si trace à dans cet ao trace à les combattants, et bien c'est vrai que ça a en force et c'est important que nous lions ensemble pour nous prendre force là ça.
En cas songé aussi, où tu es présent pour Famille à Clodo, à 6 place la victoire, où tu fais un bel message, Bayo. Que nous voyons une grosse force pour yo, Famille à Clodo, Christophe et Fatia, ben, ils ont vrai, camarades là aussi, tu es présent, ou présent pour toute la lutte. Quel message vous envoyez pour yo qui j'arrive à tirer métropole? Eh bien, pour yo qui j'arrive à tirer en France, en cas de yo, que nous continuer le combat là, hein. Et d'ailleurs, le 2 avril, nous avons une grande manifestation que nous prévoir à Deye. Nous avons dit que nous continuer le combat là parce que bon, nous sommes très fiers de yo. Nous sommes très fiers de eux et des mobilisations à eux. Et ça, c'est belle. Ça a montré que les jeunes en nous, dès les yeux, ils tendance à décrire eux, mais les jeunes en nous, bien du bout de leur combat à eux. Ils savent qui combat, ils ont choisi aussi. Et donc, nous avons dit qu'ils peuvent continuer jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Clodo sont victimes et que Clodo pas un monde qui pas ni mettre, un chien sans mettre, qu'il y ait une famille à l'entourage et qu'il y ait une Guadeloupe et un du bout pour réclamer justice et vérité. Bien merci, camarade. Ben voilà les amis, nous avons une grosse force pour Fatia et Christophe, que nous en communication avec eux, nous avons continué la lutte au niveau de la métropole. Et pour tout d'autres monde qui en résistance, qui en lutte, nous c'est un média de la lutte, nous c'est un média qui a apprendre, comprendre, coûter avant nous parler. Chaud. Donc nous allons continuer. Camarades, qui j'en nous? Qui j'en nous? Ben nous bien, 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 bien même, nous au combat. Alors, à dans l'île là, on vrai que nous partions avec d'autres lits parce que tu as dit l'obligation vaccinale qui a été mise, mais tu as six autres soignants, il y a aussi sponsors. Et puis là, on voit que la France à présent en train de mobilisation par rapport à retraite, qu'il y avait joué en retraite là. Qui j'en, quand ça a inspiré ou de vrai, j'en, la France tourne à l'envers, diffé la France comme ça, qu'on Guadeloupe fin 2021. Ça joue que bon, nous nous toujours avons habité là avant tout le monde. Quand j'ai 2009, après ça, ça a fait que d'autres peuples dans le monde sont rentrés au combat aussi. Et puis même habité là, ça joue que nous, au mois de novembre, décembre, eh bien, la Guadeloupe était en mouvement. Eh bien, nous étions des précurseurs. Aujourd'hui, là, on voit la France en mouvement. Heureusement. Et ça a prouvé que bon, nous pas si vaudouisants que ça, nous pas si. Tellement moun kabre roum ki ça et nous pas si tellement violent ki ça parce que ça ouvre ka fait en France là à ka penser ça pas ni commune mesure avec ça nous fait en Guadeloupe et pourtant quoi vrai pas ni GIGN bité comme ça moun pas ni pour moun ki ja mort pour l'instant en France heureusement d'ailleurs puisque bon nous ka souhaité que nous pas jamais souhaité que moun mort dans manifestation quel que soit à côté là hein, puisque on gendarme bon policier son homme donc faut pas y mort non plus. Mais il faut comprendre que le peuple a toujours monté. Et ça qui est extraordinaire dans ça, c'est que vous avez des gens qui ont dit qu'ils ont ils pas qu'à comprendre et ils pas qu'à prendre température à peuple là. Et c'est même en Guadeloupe. Comment ça fait-il que Karenko a venu en Guadeloupe et puis on a des politiciens de Guadeloupe qui ont marché derrière Karenko, qui ont un chien, qui ont fait selfie et puis Karenko, alors que Karenko vient cacher ici et la France a brûlé. Si vous avez tout ça français en France, aujourd'hui là, qui a revendiqué et qui est en train de chier la France, c'est qu'il y a un problème. Et nous, ici en Guadeloupe, ça triplement plus grave pour nous. Donc, on peut comprendre bien que tous ces monnaies de gaz, nous sommes tort, nous violents, nous, etc., etc. Non, nous avons un problème. La France, nous a un problème. La Guadeloupe, ni problème. Donc, c'est normal qu'elle nous douboute. Et on peut voir aujourd'hui, tout le monde a nous raison par rapport à Piki, par rapport à vaccin. Tout le monde qui est aujourd'hui là, on a un paquet de monde qui vient voir nous parce qu'il y a eu des effets indésirables, malheureusement. Et il y a quasi nous, vous aviez raison, d'accord. Mais ben, venez témoigner, venez à la rue et puis nous, venez goumer. Et puis ça nous a souhaité, effectivement, c'est que ces effets secondaires là, ça, eh bien, ça n'a pas été trop loin pour ces gens là parce que ça est extrêmement grave. Nous avons un paquet de monde qui dit nous, déréglé aujourd'hui là. On paquet de monde qui a tombé, les sapeurs-pompiers qui ont dit nous ça. Donc, les remontées sont là. Malheureusement, nous n'avons raison de côté là. Ça a dit malheureusement, mais nous déjà savons ça, c'est bon quand même. Donc, ça, peuple français qui a fait aujourd'hui là, nous déjà fait hier. Et c'est pour ça aujourd'hui là, nous très tranquille avec ça. Hein. Vous voyez, nous pas ni pas de problème avec ça. Nous avons vu ça tranquillement. Il faut yo mener combat à yo. Mener à niveau yo vle, yo c'est yo. Et nous, c'est nous continuer en combat à nous. Nous savons nous les raisons et c'est pour ça que nous payons rien lâcher, nous pas lâcher, nous payons rien lâcher. Bien merci, camarades, mes envois, amis.
camarade là, son camarade qui est suspendu, soignant suspendu du CHU, plus de 18 mois sans salaire. Nous voyons gros force pour eux tout aussi. Et nous avons une question à poser, parce que c'est un camarade qui a exprimé très bien, et librement, avec nos connaissances. Mais il faut nous rester en bon petit la parole, il faut pas nous rester avec les mêmes, il faut nous vraiment. On est actuellement à la rue Frébault de Pointe-à-Pitre. Rue Frébault qui est l'une, si ce n'est la rue la plus commerçante de Pointe-à-Pitre. Actuellement avec les militants guadeloupéens, parce que c'est pas que le collectif. Le samedi se rassemblent plusieurs militants de tout horizon. Avec monsieur Gabi Clavier, nous avons monsieur Gabi Clavier là. Monsieur Clavier avec les bêta manioc. Monsieur Clavier. On continue. Donc devant, on a une autre ambiance devant. Derrière avec rouleau démarrer moins. Et devant, j'entends camarade Pioche au micro. J'espère que vous passez un bon week-end chez vous en ce samedi. N'oubliez pas de partager cette page Facebook Média 97+, qui sera ensuite rediffusée sur Info Blocost TV de YouTube. Nous avons d'autres camarades soignants, les soignants libéraux. Voilà, donc là nous avons mis dentiste. Il y a infirmier, il y a échographie, orthophoniste, psychologue, kiné, généraliste, médecin, spécialiste, sage-femme, podologue, orthophoniste. Voilà, mes vrais amis, c'est ça qu'on va crier, les soignants libéraux. Soignants libéraux qui en lit, je dis là, avec camarade Sylvie qui l'a aussi avec nous toujours dans la lit. Bien bonjour camarade. Deux mots. Nous là qui nous toujours suspend. Et on l'a monde qui a quoi à passer encore, mais nous toujours suspend. Alors faut nous goûter, faut nous reprendre travail en nous. Merci. Alors justement, de comment est-ce qu'il y a pas nous là qui marquait les libéraux. Donc les libéraux aussi, a pas rien qui les soignants du CHU, mais plusieurs secteurs dont les libéraux aussi suspendus. Oui, exactement. Et justement. Hier, on était à Santé publique France. Il y a même qui a bas nous les chiffres. Il y a 30% les libéraux en Guadeloupe qui paient ni 3 doses. Et nous, obligés ni 3 doses pour nous faire travail. Qui veut dire
30% les libéraux, ils suspendent normalement. Alors, c'est eux-mêmes qui a dit ça. Et c'est nous première région en France qui n'est le plus de suspendus dans les libéraux. Donc, ça a fait presque un sur trois. Voilà. Donc, il faut nous gommer. Oui, bien merci, camarade. Benjamin, je vais attendre les chiffres. Je vais attendre les chiffres en moun, si ou trois. Je vois ça. Donc, c'est les informations qu'elle nous a passées, bah, transmettre zot. Alors c'est camarade Pioche qui est au micro, j'entends camarade Pioche au micro actuellement avec camarade Dolores qui est devant là. Donc à bail la voix. Je connais. Donc voilà, avec camarade Marathon, c'est eux qui est en tête des fils aujourd'hui là pour bazote la voix au micro. Donc bazote la voix au micro. Donc là actuellement nous allons passer par côté la DAOS. Nous allons passer devant KFC là qui j'a fermé. Et nous allons passer devant la DAOS. Là où nous avons vrai qu'il y a l'eau chapiteau. En l'eau chapiteau au fond là. Plein chapiteau de Knambitin qui a fait. Ambiance musicale dans ce groupe avec monsieur Gabi Clavier et les camarades de Sainte-Rose. La puissance, mon gars! Avec monsieur Eli Domota, nous avons monsieur Eli Domota. Qu'a fait mes marches là. Voilà. La presse. La presse. Avant hier soir. Avant la télé hier soir. Ouais. Attends. Chut. Ouais. Allez, c'est ça même vous. On l'a gagné quand on l'a concerné, on a 20 ans. Mais nous pas ni 20 ans tout le temps, les amis. On a une sauté quand on a 20 ans, mais. Ah, Zola commence, Zola commence raide. Donc on est suivi par la police. Thank you.
Donc là, nous avons fait un différent aujourd'hui là. Et nous avons monté, nous avons passé devant la sous-préfecture. Devant la sous-préfecture là. Devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Oui, en cas de monsieur Clavier avait nous piqué prend piqué à là. Nous avons écouté ça. Gigi, nous là. Hey, camarades, où Actuellement devant la clinique Saint-Nicolas, là où je suis né il y a environ une vingtaine d'années. Et oui, c'est ici que je suis né il y a 20 ans. Amis, nous avons un camarade responsable secrétaire général de l'UTS, excuse-moi, UTS, UGTG. Comment ça va, camarade Guéba? Ah ben nous là, nous au combat, comme toujours. Je vais reprendre. Alors aujourd'hui là, c'est un rassemblement. La litime, nous sommes au 100 milliers, plus d'un millier de monde aujourd'hui là quand même. Oui, nous rassemblons beaucoup de monde aujourd'hui là parce que vous savez que c'est problématique générale à la Guadeloupe qui met devant. A pas problématique à la santé uniquement. C'est problème à de l'eau, c'est problème à chlordécone, c'est problème à jeunesse, c'est problème à mouni pas à toucher retraite convenable, c'est problème à jeunesse à la Guadeloupe qui pas à trouver débouché en pays à eux-mêmes. Donc c'est tout ça nous mettons devant aujourd'hui là, et puis problème à retraite à cause de ça là. Donc avec problème à les soignants qui posent Jean-Fin tribulation devant Baba obligation vaccinale. Donc c'est ça nous mettons aujourd'hui là devant, et c'est pourquoi on va être toute la Guadeloupe, dans toute composition, il y a des rois et il y a réclamer justice pour nous.
Alors, il y a quelques jours, nous tenions passage à secrétaire délégué ministériel qui vient en Guadeloupe, qui fait passage, nous ouvrait assis les médias qui a suivi. Qui, Jean, vous trouvez ça? Bon, pour nous, ça n'a pas fait nous chaud ni fouette, parce que nous considérons ça comme une tribulation. Comme c'est Union Poste, fait déambuler dans toutes ces colonies-là, puis montrer que. Il a fait un bitin soi-disant dans les colonies. Donc ça va avec nous, ni chaud ni fouette. Monsieur vient ici, il fait chaud avec les bois politiques que nous tenons ici. Mais il n'est pas venu proposer un merde. Il juste fait constat. Constat, ça nous a tout remarqué. Donc il n'est pas proposé un merde pour le pays. Là. Il n'est pas qu'à attendre ici, ni aujourd'hui là, ni demain. Nous sommes dans les colonies. Là, il y a un ministre. C'est puis juste faire en sorte que les institutions aient été en place, que les institutions respectées, qu'on y est là avec domination, aller plus fort, si les plus petits. Donc, nous pas choquer nous plus qui ça, parce que nous avons un courrier par le ministre Saïd Darmanin, courrier par lui-même aussi, courrier pour la bonne Matirin qui s'est délégué à les colonies aussi. C'est mon ça pas même bon nous réponse. Donc, du coup, il n'y a pas regardé nous-mêmes, nous pas regardé, nous n'avons pas fait des affaires pour nous sortir dans la place à nous-mêmes. Dernière fois, c'était contre la veille, il était quand même basote en sorte d'espoir, puis ils ont constaté que d'ici bientôt, réintégration a été faite, il a analysé des pistes pour que ça a trouvé qui genre, il a fait réintégration à autres, mais payer salaire à autres aussi. Mais là, il vient, en sorte qu'il n'a pas parlé pour autres. Mais est-ce qu'il a au moins essayé de prendre contact avec autres pour baser autres informations? Il n'a pas essayé de faire rien, il n'a pas essayé de garder nous. Il y a qui fait affaire, programmation qui a été jamais mis en place. Habituellement, nous avons forcé des rencontres avec eux. Parce que là, il a joué nous les autres fois. C'est nous qui avons forcé des rencontres avec pour nous faire prendre en considération problématique en nous. Mais là, nous disons nous ne sommes pas occupés de ces gens-là. Nous avons concentré nous sur l'île en nous. Et parce que nous savons que nous avons un genre paré, soi-disant, pour lever obligation. Mais à part ça seulement, nous avons demandé de prendre en compte tout ça que nous avons travaillé. Parce que ça fait plus de 18 mois que nous avons salaire. Le préjudice que nous avons au tribunal toutes les semaines. Parce que nous avons devant le tribunal pour expulser les appartements que nous avons occupés. Pour yopé rendre voiture, si moun a yopé arrêté l'école, ils ont le préjudice dans tout ça. Donc, fait yopé rendre compte par rapport à préjudice ça et rembourser nous tout salaire en nous que yopé prend injustement. Donc, c'est pour ça que nous parlons à la guerre, nous en la rue là. Et après, rappeler qu'ils ont le camarade aussi à l'UTS, qui c'est le travail de la santé, qui mobilisait aussi, un peu comme par exemple les camarades à Sopharma, son groupement pharmaceutique, hein, tout ça c'est la santé. Voilà, ils ont contacté aussi, donc c'est les camarades qui ont été témoins. Ils ont mobilisé là aussi, là, ils ont d'autres entreprises que les Vega roulent toute la semaine là aussi, parce que c'est son seul malhonnêteté qu'a fait au niveau des patrons. Ils ont pris courage et ils ont pris force d'avoir malhonnêteté que le gouvernement a fait nous. Ils ont même pris force aussi. Donc maintenant, nous avons montré qu'ils travaillaient pour baisser bois. Nous sommes toujours debout devant eux. Est-ce qu'il y a un message à envoyer pour la population Guadeloupe, assis déjà plus de 18 mois sans salaire et sans aucun effet des différents rendez-vous? Alors, nous n'avons pas de rendez-vous pour nous réclamer, c'est vrai. Nous avons fait une interpellation à les directeurs à l'hôpital public et privé. Donc, du coup, nous allons attendre tout à eux pour nous faire face à d'avec eux. Puis, nous allons dire qui gens payer nous après la réintégration. Là. Donc, du coup, nous allons demander au peuple à fin coûter meeting. Mardi, nous avons un meeting devant la mutualité la mardi soir. Nous avons un rendez-vous encore jeudi pour un grand déboulé. Mardi à qui? Mardi à 7h soir. 7h soir, nous avons devant la mutualité pour nous faire un grand meeting, pour nous faire mon information, pour nous faire des témoignages aussi. Et puis, jeudi, nous avons rencontré toute la population. Nous avons venu jeudi matin, c'est une grande journée de mobilisation. Donc, nous avons un côté qui est fermé. Et puis, nous avons joint devant la mutualité depuis 8h30 aussi, pour nous faire un déboulé. Nous avons une programmation là après. Donc, tout ça pour dire, peuple Guadeloupe, pas arrêté à dans coin azote. Ils sont concernés par tout ça qui a passé là. Ils sont concernés par le problème à retraite, ils sont concernés par le problème à de l'eau là, problème à santé là, pas même parler, parce qu'à notre l'hôpital là, c'est au minimum de soigner les autres. Ils ont obligé si ils ont mis l'argent parti, ça n'est pas mis l'argent qui a été mort au pays. Donc, deux bouts pour demander justice, pour demander une meilleure qualité de soins et de prise en charge, parce que c'est peuple azote qui est concerné, c'est autres même qui concerné. Donc, nous attendons toute semaine qui venir là, juste un combat bout. Bien merci camarade Geba, Elier Geba qui est secrétaire général de l'UTS, UGTG, UTS, UGTG qui est une branche de l'UGTG qui est spécialisée dans la santé, notamment au niveau du CHUG. Donc là on reprend la direction inverse un peu en direction du CHU. Nous calons la jeunesse aussi la parole, les amis, parce que
la jeunesse là, la jeunesse là, et nous savons qu'effectivement que c'est ancien là qu'il est là, il y a carton de vrai qu'à jeunesse là a fait, qu'à jeunesse là qui est menée, qui est portée au niveau de la lutte pour que ça permette lutte là continuer pour que il a pas fait nous prend en 6.9. Donc là nous ni camarade jeunesse, camarade jeunesse qui avait nous aujourd'hui là, qui jeune quoi. Mais là, Sidji, militante de la CGTG, de combat ouvrier du journal Rebelle, ben nous mobiliser, premier 8 ans qu'elle dit, c'est force et soutien à tout travailleur qui mobilisait. En France, tout manifestant qui réprimait, en Martinique, en France, en Guyane, tout partout. Et faut nous mettre nous ensemble si nous voulons gagner, face en union, grand patronat et un gouvernement qui paraît dans nous. Et si nous ne pas mettre nous ensemble pour nous riposter, et si nous divisons, nous péquons gagner combat là ça, ni contre les retraites, ni pour les suspendus, ni pour augmenter le salaire, ni pour rien d'autre. Alors justement, si dit, nous avons que ces jeunesses là commencé à relever, nous avons dit au niveau des écoles, nous avons plusieurs jeunes devant l'école, ils ont dit comme ça, ils ont pris conscience à la retraite là ça. Vous qui êtes en contact avec eux, avec Combat Ouvrier, avec Journal Rebelle, qui impression nous pour être porte-parole à eux? Eh bien, ces jeunes-là, ils n'ont ni raison, ni certains qui déjà prennent conscience que, à part, au-delà des réformes en retraite, c'est toute société-là, ça qui n'est pas bon. Hein? Là où on a attrapé un diplôme et qu'on a arrêté au chômage l'année, ou bien ou dans la précarité, ces petits contrats qu'on a enchaîné, eh bien, ouais, ou obligé, on les prend conscience que ces sociétés-là, ça qui n'est pas bon. Société capitaliste-là qui a mené nous à la guerre, à la misère, à chômage massif, et là, le gouvernement a bien attaqué nous. Bon, eh ben, en j'ai dit autre, hein. Seule la lutte paix. Voilà. Donc, et du coup, au niveau de UGLG aussi, parce qu'il y a un nouveau branche à l'UGTG qui créait, qui est l'UGLG, qui est les jeunesses qui cagoumé au niveau des lycées, et ben, est-ce qui espoir ou ni pour yo, qui j'en ressenti yo? UGLG, c'est Union Générale des Lycéens de Guadeloupe. Alors, c'est une organisation que les jeunes lycéens qui créent. Alors, ou dit si on branche à l'UGTG, mais en passant 500, hein, c'est eux-mêmes de eux-mêmes, ils ont créé Bitan à eux. Ouais, c'est eux-mêmes de eux-mêmes, ils ont créé Bitan à eux. Ils ont créé UGLG, Union Générale des Lycéens de Guadeloupe, pour ils coordonner eux dans toute la Guadeloupe, parce que ni on le lycée, ni on le côté ça chauffé. Donc, ils ont dit, bon, ils ont coordonné eux et ils ont créé Union là, ça, pour ils faire on contrer à combat. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et là, on entend dire qu'il y a joué créé en UGLG et anti-Guyane. Ah ouais, d'accord. Voilà, dans DOM. Guyane, voilà, dans les DOM. Ça donc, il bon. Ça bon. Ok, ok. Et ben... force pour tout le monde qui a goumé, tout travailleur dans les entreprises qui a goumé. Ah ben, nous avons une grosse force pour vous, UGLG. Nous avons suivi ça, nous avons fait. Et puis, nous avons vu devant, c'est l'école-là. Il y a le porte-parole qui a parlé de mieux en mieux. Et il y a une information pour la population. Ah, c'est ça qu'il y a vivre. C'est dit qui m'a s'ajouté qu'il y avait voyé pour Guadeloupe, qui peut prendre conscience à la difficulté qu'il y a en le monde qui a dans la difficulté, à la précarité notamment, et à les bas salaires, tout ça. Alors, moi, j'ai commencé par dire que pas ni en seul Guadeloupe, ni plusieurs Guadeloupe. En Guadeloupe, ni des camps, ni quand un monde qui maléré, qui a travaillé, qui a exploité, ou qui pas qu'à travailler, qui en misère, mais ni en camp à ça qui est riche aussi, qui n'y en l'eau l'argent, et qui a exploité d'autres, qui n'y le pouvoir, et qui a écrasé la population là. Moins, encadré, c'est moins aller travailler, les maléré, quand là, ça, c'est quand en moins, en cas militer à d'un, et sans qu'à dire, c'est que, font jour nous, qui prend conscience, créer tout partout des organisations que nous racher hein, conscience là ça que demain l'avenir là c'est nous si nous pas là rien pas tourner rien pas fait et les gros pas faire l'argent donc c'est nous qui a fait tourner société là ça et c'est à nous de prendre direction aille. Voilà. Bien merci Sidji. En cas tant d'autres, en cas d'autres, qui a crié blou, 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 blou. Parce que ces paroles en nous, paroles à jeunesse, paroles à Guadeloupéens, qui veulent effectivement faire autres vraies, la réalité sur le terrain. C'est pour ça qu'elle nous a venu montrer les autres cas qui a fait, et ces autres peuples qui a pris, qui a fait effectivement propre opinion à autres. Donc nous allons continuer à montrer les autres l'information. C'est la patrouille.
Alors les amis, nous devons avec un camarade à l'UGTG qui depuis longtemps est dans la lutte au niveau de l'hôtellerie. Il a goûté, je sais que l'hôtellerie aussi a passé en lot de difficultés. Il a bonne nous parole à l'hôtellerie. Qui j'en commande? Oui, ça raille très bien. Sauf que effectivement, on nous dit, hein, ni un bon moment que nous pas attendre de parler de l'hôtellerie, mais l'hôtellerie, ça a existé parce qu'il y a un nombre de temps que nous pour gens fait pas une augmentation de salaire, pas un NAO dans l'hôtellerie. Et je l'ai rencontré en difficulté que fondamentale que nous avons dans plusieurs hôtels. Ni au niveau à Creole Beach, qui est là, c'est Mystère à remettre en cause la convention collective. On sait que la convention collective, c'est ça qui a organisé le travail là, dans certains là, ça. Et nous croyons que c'est Mystère, par exemple, en prime de nuit, un monde qui a fait un choix de travail dans la nuit, que c'est Mystère qui a tiré. Au niveau de la retraite, leur travail, plus de 40 ans dans l'hôtel, qui a pour 6 mois de salaire, c'est Mystère qui a 3 mois, 4 mois. Et nous avons une autre difficulté que nous avons rencontrée depuis. Plus de 10 ans, dans l'hôtel qui est Salako, je de la tenu, c'est un hôtel que la SEM a acheté. Il a été remetté en main à un autre beau qui était acheté l'hôtel là. Et là, effectivement, depuis 2001, il est venu reprendre l'hôtel là, ça, c'est un groupe Zénitude. Et nous rendons compte que les salariés inquiètent toujours, parce que depuis 2021, depuis octobre 2021, on peut là pour gens payer, il peut aux gens payer le loyer là, au niveau de la SEM. Et moi, nous avons constaté que c'est très difficile parce que le JA a tenu en première audience qui est faite le 3 février, il a demandé un renvoi. Il a tenu le 10 mars et je de là que c'est le 21 avril. Le 21 avril, nous pouvons trouver nous, je de là renvers, plus de 70 salariés dans la rue là. Sauf que, effectivement, que, en période là, l'IC a fait des assemblées générales pour dire qu'il y a une belle saison, il faut une belle saison. Et effectivement, il a dit tout le BTI est payé. Nous contrôler effectivement tout le bien payé, sauf que le bien principal là, que le loyer là, il n'est pas payé. Alors la SEM a décidé de venir des bêtes en procédure en référé pour annuler le bail là. Et du moment que le tribunal là possède l'annulation à bail là, c'est-à-dire que, effectivement, pas ni l'hôtel encore, pas ni employeur. Et en plus de ça, que c'est en société qui a géré et fonds là, foncier là. Et foncier là, c'est-à-dire que si on avait le loyer là, il a payé et je dis là, effectivement, si foncier là aussi peut arriver à venir liquider, alors à un moment là, ça c'est pour ça qu'on a dit que je dis là, faut nous penser à notre style de tourisme. Par exemple, au niveau à la SEM patrimoniale qui a venu, qui a pris l'hôtel, faut nous essayer de former les cadres pour nous payer pop et tout opérateur nous, pop directeur nous aussi, puisque nous avons effectivement je dis là, dans l'hôtellerie, nous avons l'autre chef de service, nous avons l'autre directeur, mais c'est grâce à nous, grâce à l'UGTG, qui posait problème là, à dans l'accord 2000, qui était dit de ou ni en blanc, qui vient ici, là il a parti, et c'est un autre monde nous a mettre en place, et c'est un Guadeloupéen. Et c'est ça qu'elle nous fait, et je là, nous avons constaté que nous sommes directeur blanc, nous directeur nègre, nous avons l'autre chef de service nègre. Mais nous avons dit, fais attention, c'est bien, il faut organiser, puisqu'au niveau de Salako, nous pouvons accepter que ces messieurs qui viennent faire un coup d'argent incident, et après, c'est les salariés qui ont arrêté à terre. Il y a des gens qui m'ont dit quand ça est les NAO. Les NAO, c'est une négociation annuelle de branche qui est obligatoire. Et effectivement, ces messieurs, ils ont décidé de dire qu'ils ont fait NAO ben nous, en France, au niveau à l'UMI. Et pourtant, ces messieurs, c'est eux qui signent tout accord ici. Alors, il faut savoir que les gens qui viennent dans l'hôtel, mais ils ne connaissent pas les conditions de travail des salariés. Et c'est pour ça qu'ils ont passé ces messieurs en l'eau l'argent. Et pour les gens qui ne savent pas, quand il aura fait avec l'argent là, il y aura bénéficié avec l'argent là, mais travailler là, effectivement, c'est travailler là qui est vraiment en très souffrance, je là dans l'hôtel. Alors, camarade, c'est ça, nous avons trouvé ça bizarre. Il y a le monde qui doit tomber, si tu es depuis qu'il y a tant de gens, les salariés de l'hôtellerie pas respectés. Pourtant, l'hôtel, nous avons l'hôtel, il y aura dit qu'il faut l'eau, l'argent, pas qu'à payer effectivement, ni des accords, pas payer l'eau, tout ça. Et qui solution que les autres ont pour faire respecter ça? Non, les solutions sont là. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut composer avec nous. Puisque faut savoir que c'est un côté qui est dans le stress. Lorsqu'on travaille dans l'hôtellerie, on sait que nous travaillons 95% avec les clients qui sont en France. Mais là, ils sont en France, c'est-à-dire que ils achètent une prestation qui a fait en béton 10 euros. Mais ils ont vu une prestation au moins à 200 euros. Et après, dire que
c'est fort monde qui travaille dans l'hôtel pour y prévoir le stress que monde travaille. Et ce qu'il a fait pour nous, puisque nous avons fait plusieurs propositions, puisque on est toute forme de touristes qui existent. Hein. On est toute forme de touristes qui existent, puisque l'hôtellerie, c'est en camp dans le développement de touristes. Alors, je dis là comment on peut dire qu'effectivement, que nous avons parlé, il y aurait sûrement plusieurs jours à parler de l'hôtellerie, c'est le tourisme, c'est pratiquement 95% à l'embauche en Guadeloupe. Mais en quel moment, pour mon bamadé de travailler, est-ce que c'est vrai? Et qui j'ai eu à voir ça? Est-ce qu'il y a bien payé dans l'hôtellerie? Et c'est pour ça qu'on va voir que dans l'eau, jeune monde qui a sorti en lycée hôtellerie là, et on va faire une enquête ou pas, trouver qu'il y a resté en Guadeloupe. Parce que, le travail là, il fait là, l'argent là, il payé là, pour il faire fait ici là, là où il arrivé. Imaginez que, par exemple, aujourd'hui là, dans l'hôtellerie, sous-outiré, prime d'ancienneté là, un salarié qui a touché au moins 1000 à 1100 euros. Alors, ça, effectivement, nous ne pouvons pas accepter un bidet comme ça. Bien merci, camarades. Mais les amis, nous voici, BIC Résistance, CHUG, dans journée, là, ça. Journée, que nous avons dit, la pluie à Bouzin, révini. Donc, nous de retour au point de départ, à BIC Résistance, CHUG. Donc, peut-être qu'elle nous finit. Peut-être qu'elle nous allait faire une prise de parole avec les porte-paroles ou peut-être nous allait continuer après l'appli là. Retour sur le BIC CHUG avec les militants du collectif des organisations en lutte. Les amis, on va commencer le meeting. Connectez-vous sur notre page YouTube Info Plocost TV. Connectez-vous. On va se préparer pour le meeting qui sera fait effectivement sur notre réseau pro, le réseau YouTube Info Plocost TV. On va commencer dans quelques minutes là. On va commencer le live sur YouTube. Donc continuez, venez et n'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite pour le meeting du collectif des organisations en lutte.
chaud. Mon gars.